pour les Africains qui se retrouvent pas. Il y a une épicerie africaine qu'on appelle Otropic. Je vais vous mettre juste la photo ici. Allô tout le monde, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va parler plus sur le coût de vie à tant qu'étudiant à Sherbrooke en général. Donc avant de commencer la vidéo, je t'invite à mettre des pouces en l'air si ce genre de vidéo t'intéresse, à t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi à activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos dès que j'en poste une. Puis merci à tout le monde. Déjà je tenais d'abord avant tout à vous souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde et joyeux Noël encore, malheureusement, désolée. Puis bonne année 2020 à tout le monde. Continuons à remercier le Seigneur parce que c'est une grâce d'arriver en cette fin d'année en bonne santé. Surtout avoir le souffle de vie, c'est vraiment une grâce parce que j'en connais beaucoup qui sont décédés avant la fin de l'année 2020. Continuons en prière. Pas pour qu'on entre bien dans l'année 2020. C'est des fins d'année des fois qui sont quand même assez assez bouleversées. Continuons à remercier les seigneurs pour ses bienfaits. Puis si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à rester connecté. Puis let's go. Donc avant qu'on ne commence, je tenais déjà à vous remercier. Je suis arrivée à 1000 abonnés. Franchement, merci du fond de mon cœur. Ça me touche énormément, mais vraiment beaucoup. Voilà, je sais pas comment exprimer ma joie, mais vraiment merci à toutes ces personnes qui me soutiennent, à toutes ces personnes qui croient en moi, à toutes ces personnes qui m'écrivent pour me dire merci pour ton aide et tout. Vraiment merci beaucoup de croire en moi, ça me fait vraiment plaisir. La luminosité n'est pas bonne ce matin parce que comme le climat n'est pas beau du tout, mais vraiment du tout, mais je me suis dit pourquoi pas tourner une vidéo vu que je suis à la maison aujourd'hui. Je me suis pris quand même des petites notes pour ne pas oublier. Je vais diviser ma vidéo en plusieurs sections. Avant de commencer, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Je le mets juste ici. Et aussi, n'hésitez pas à m'écrire par courriel. J'y réponds quand j'ai des réponses à des questions. Mais j'avoue que des fois, j'ai pas de réponse à toutes les questions. Je vais essayer de plus me renseigner. Fait que, let's go! Donc déjà je tenais à dire que ça fait 2 ans cette année que je suis à Sherbrooke. Je suis arrivée en août 2017, donc ma deuxième année je l'ai fêtée cette année. Par rapport à mon expérience, je vais essayer de vous parler du coût de la vie étudiante ici à Sherbrooke. On va premièrement commencer par le logement. Comparé à d'autres villes du Québec, je dirais quand même que Sherbrooke est très abordable au niveau du logement. On est à 745 dollars par mois pour un loyer tout inclus. Quand je dis tout inclus, ça veut dire l'électricité, le chauffage. L'électricité, le chauffage, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher ici. Des fois même tu as l'internet de compris. C'est quand même ces prix-là pour toutes ces trois affaires compris, fait électricité, chauffage, internet, wifi. Puis ça dépend aussi des secteurs. Donc je vais essayer de vous mettre un peu la carte des arrondissements de Sherbrooke, juste ici. Puis je sais qu'au centre-ville quand même, on est à des coûts quand même élevés. Mais on retrouve aussi beaucoup d'étudiants plus à Mont-Bellevue. C'est comme un arrondissement que juste derrière l'université, comme aux alentours de l'université de Sherbrooke. Donc c'est quand même un secteur qui coûte pas assez cher pour les étudiants. Puis la plupart des étudiants qui habitent dans ce secteur-là font des colocations. Donc ça revient un peu plus moins cher. Quand j'ai dit colocation, j'ai dit on prend un 4,5, donc un appartement à 2 chambres. Puis on est 2 à louer l'appartement. Fait que chacun a juste sa chambre. On partage la salle de bain, on partage la cuisine, puis on partage le salon. Enfin, c'est que la plupart des étudiants ici font. Puis les secteurs, comme je vous l'ai dit, Mont-Bellevue, c'est quand même le plus abordable. On a les secteurs du centre-ville, ça commence à augmenter un peu plus. Les prix augmentent un peu plus. Puis on a aussi les secteurs Lennoxville, c'est comme un nouveau secteur de Sherbrooke qui
c'est comme retrouvé plus anglophone, mais c'est la vue, la vie, en fait, le logement est quand même aussi cher de ce côté-là. On a les secteurs est. Le secteur est, c'est quand même abordable, dépendamment de où, si c'est trop fond de l'est ou si c'est plus rapproché de l'est. Puis on a les secteurs ouest. Le secteur ouest, c'est où il y a beaucoup plus de entreprises, admettons, il y a beaucoup plus, il y a comme les carrefours de l'Estrie. C'est où il y a vraiment plus les entreprises qui ouvrent plus de ce côté-là vers les secteurs ouest. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit, les logements dépend du secteur, de l'arrondissement. Ça dépend aussi si c'est tout inclus ou s'il y a comme juste le loyer inclus. Moi, ce que je conseille, c'est de toujours prendre tout inclus parce que le chauffage revient quand même assez cher en hiver. Il fait très froid. Puis, si vous prenez un logement où, admettons, il n'y a pas le chauffage inclus, croyez-moi, votre facture d'électricité va revenir un peu plus chère à la fin du mois. Parce que, comme je l'ai dit, le chauffage, ça consomme beaucoup d'électricité. Alors, passons à l'électricité. Comme je l'ai dit, si vous prenez un logement qui n'a pas l'électricité compris, ici, on paye l'Hydro-Québec. Donc, c'est vraiment l'Hydro-Québec qui te donne ta facture à la fin du mois. Je vais vous montrer, je vais mettre une capture de ce qu'on trouve dans une facture d'Hydro-Québec. Puis, comme je vous l'ai dit, ça dépend vraiment de la grandeur du logement, si c'est deux chambres, si c'est une pièce. Ça dépend aussi du secteur, ça dépend aussi si tu utilises plutôt trop de chauffage ou pas assez. Puis, des fois, on se retrouve en été à payer 40$ maximum d'électricité parce qu'on n'a pas de chauffage, on ne consomme pas de chauffage. Puis, des fois, on se retrouve à payer 60$ et plus en hiver parce qu'on consomme beaucoup de chauffage. Fait que c'est comme, moi, comme je vous l'ai dit, je vous conseille vraiment de prendre un logement tout inclus. Voilà, ça va revenir à, même ça coûte un peu plus cher, mais c'est comme, si vous prenez en considération les faits, il y a le Wi-Fi compris, il y a l'électricité compris, il y a le chauffage compris, à 745, on est quand même à un bon prix. Si vous prenez par exemple un logement de deux chambres à 500 pièces et que vous devez payer le logement, vous devez payer le chauffage, l'électricité, le Wi-Fi, ça reviendra un peu plus cher. Fait que voilà, un peu pour l'électricité. En ce qui concerne le téléphone mobile, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est complètement différent de l'Afrique. Je sais qu'en Afrique, il faut payer, dans mon pays, en RDC, il faut payer le crédit, comme on appelle les unités. C'est comme tu grattes, puis c'est là que tu appelles. Sauf qu'ici, c'est pas pareil. Donc, pour appeler, il faut payer un abonnement mensuel. Un abonnement mensuel qui propose des fois des appels illimités partout au Canada. Des fois, tu peux en avoir des appels à l'international aussi, ça va devenir un peu plus cher. Mais moi, ce que je prends souvent, c'est en ce moment, j'utilise Fido. Donc, pour c'est ce que je conseille vraiment pour les étudiants qui viennent d'arriver ici. Ça a quand même des tarifs assez abordables. Donc, t'as comme moi en ce moment, j'ai comme profité de la promo. J'ai 6 GB par mois. Ça me revient à 45, si je me trompe pas, dollars plus les taxes ou taxes incluses, un truc du genre. Puis j'ai 6 gigas, j'ai les appels partout dans le Canada gratuitement, puis les messages illimités. Je trouve que c'est quand même abordable. Fait que du moment où tu arrêtes de payer ta facture téléphonique mensuelle, tu peux plus appeler là. Ton numéro est bloqué, tu peux appeler, mais tu peux toujours utiliser WhatsApp comme on sait, mais appeler quelqu'un au Canada, ça passera pas. Puis aussi, je vais vous parler des différentes taxes qu'on trouve au Québec. Je sais que moi, je vous raconte mon histoire. Quand je suis arrivée ici, j'étais vraiment excitée. Je me disais, oh, mais la vie, ça coûte pas cher, c'est correct et tout. Mais des fois, j'allais au magasin, je trouvais des produits assez abordables et tout, disons du parfum à la pharmacie, des fois qui coûtaient 60$. Je me disais, oh, mais c'est bon prix et tout. Mais arrivée à la caisse, il y a comme TPS puis TVQ qui s'ajoutent. Donc, je vais vous mettre une application que moi, j'utilise quand même pour convertir, pour ajouter les taxes dessus. Ça s'appelle, je pense, Taxe Québec, que j'ai juste sur mon cellulaire. Puis, ça me permet quand même de calculer le montant en plus de taxes que ça me revient pour ne pas avoir de surprise à la caisse. Ou encore, ce que je fais, c'est que je prends le montant, je multiplie par 1,14975, si je ne me trompe pas. Puis ça me donne directement le montant après les taxes. C'est comme pour ne pas avoir de surprise.
c'est vraiment ce que je conseille parce que quand on arrive ici, on se dit, oh, mais ça coûte moins cher. Mais arrive à la caisse, disons que tu avais comme un truc à 110, puis arrive à la caisse, t'es rendu à 120 quelque chose. T'es comme, ah, d'où ça vient? Ben oui, c'est les taxes qu'il faut payer ici. On paye 2 taxes au Québec. Ensuite, l'électricité, je voulais vous parler du transport. Pour ce qui est du service de transport à Sherbrooke, c'est gratuit pour les étudiants étrangers qui sont à l'Université de Sherbrooke. Quand j'ai dit gratuit, c'est parce que nous, on le paye dans notre facture scolaire. Ça nous revient moins cher. Je pense, si je me rappelle de ma facture, c'est 33 quelque chose dollars, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est quelque chose du même pour 4 mois, pour une session entière. Tu as ta carte étudiante qui a la puce. Ça sera pas long. Je vais chercher ma carte étudiante puis je vous reviens. Donc, voilà. Moi, j'ai l'habitude de mettre ma carte étudiante dans cette pochette-là pour ne pas la perdre. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, j'ai eu à perdre ma carte scolaire une fois dans l'autobus. Je n'avais pas de pochette. Genre, je la prenais juste de même, juste dans mon sac. Puis, une fois, je l'ai laissé échapper puis je ne l'ai jamais retrouvé. Fait qu'à l'Université de Sherbrooke, quand tu perds ta carte étudiante, une fois, tu payes 30 dollars si je ne me trompe pas. Si tu la perds une deuxième fois, tu payes 60 pièces. Fait que je me suis dit, je ne veux pas la perdre une deuxième fois. Fait que je l'ai mis dans cette pochette pareille. C'est vraiment ce que je conseille à tout le monde. Comme ça, je suis sûre que dès que je fais ma pochette, j'ai ma carte étudiante à l'intérieur. Donc voilà, à quoi ressemble ma carte étudiante. Ma photo est pas trop belle là, mais c'est pas grave. Ma carte étudiante ressemble à ça. Il y a comme l'Université de Sherbrooke, mon nom dessus, puis la communauté étudiante. Ensuite, il y a ton matricule étudiant, puis tout. C'est vraiment ça qui te permet de prendre les transports en commun gratuitement. Tu vas juste à l'autobus, tu fais tic, puis tu montes ta photo, puis c'est gratuit. Pas besoin de payer et tout. Mais sinon, si jamais... Mais il y en a quand même des étudiants qui retirent ce frais-là dans leur facture universitaire. Là, ça revient quand même à plus cher. Je vais vous mettre les tarifs ici de la société de transport de Sherbrooke. Donc, la STS, c'est vraiment... je pense que c'est rendu à 80 dollars par mois, plus les taxes pour les personnes qui prennent l'autobus régulièrement et qui sont pas étudiants. Puis si jamais tu sors rarement ou que tu as une voiture et que ça t'arrive quand même rarement de prendre l'autobus, là tu peux payer 3,30 $ avant de monter dans l'autobus. Pour dans le fond, c'est quand tu montes, tu payes 3,30 $, ils te donnent un petit ticket, on appelle ça comment, un petit pass qui normalement dure une heure. Mais on est tous conscients qu'on peut pas sortir pour une heure. On ne sort pas pour genre passer juste 30 minutes à l'extérieur. Fait qu'à chaque fois cette carte là expire, tu es obligé de repayer. Donc c'est un peu ça par rapport au transport à Sherbrooke. Mais je vais vous parler aussi des charges. Donc quand j'ai dit les charges, c'est plus les courses qu'on fait. Moi je sais qu'à l'épicerie, moi j'habite avec ma grande soeur, donc à l'épicerie ça nous coûte quand même, je vais être franche avec vous là, moi je mange tout le temps. Je mange énormément, je grignote trop. Donc moi et ma soeur, ça nous revient à peu près à 500 dollars par mois avant les taxes. Donc, comme 500 dollars avant les, comme par mois pour les courses, pour manger. Si jamais des fois on dépasse parce que on a trop mangé ou qu'on s'est fait plaisir. Puis voilà, donc mais si vous êtes seul et que vous n'avez pas l'habitude de trop manger, des fois ça peut arriver à 300 pièces par mois. Puis c'est ce que je conseille aussi, c'est vraiment d'acheter ces aliments plus en épicerie. On va vraiment éviter les supermarchés plus spécialisés parce que ça coûte un peu plus cher. Moi, les épiceries que je conseille où je vais faire mes achats, c'est plus au Super C, au Maxi parce qu'ils ont souvent des rabais étudiants. À Provigo aussi, des fois, ils ont des rabais étudiants. Mais il y a quand même des journées où tu peux avoir un 10% et des journées où tu peux avoir un 5%. Tout dépendamment. Mais moi, ce que je fais, où je vais régulièrement, c'est Super C, Provigo pour les fruits. Puis voilà, des fois Maxi comme pour du riz que je trouve pas ailleurs. Mais je tiens aussi à préciser qu'il y a une épicerie africaine à Sherbrooke pour les Africains qui se retrouvent pas. Il y a une épicerie africaine qu'on appelle Au Tropique. Je vais vous mettre juste la photo ici. C'est vraiment plus pour les Africains qui aimeraient manger de la nourriture africaine, qui les manque vraiment. Donc je conseille l'épicerie Au Tropique. Sinon, on a l'épicerie arabe aussi, qu'on a
belle marché, 5e saison. Là aussi, il y a quand même des prix, il y a quand même des repas plus africains. Dans le fond, c'est plus général, africain, arabe. Tu trouves un peu tout dans cette épicerie-là. Puis aussi, dans l'épicerie, comme je vous ai dit, africaine, vous avez des mèches africaines. Si jamais vous voulez vous coiffer, vous avez des nourritures africaines. Pour les Congolais qui me suivent, il y a du pondou, il y a du fumboa, moussaka, mbisako kauka, tout ça, il y a tout ça là. Puis pour les filles qui arrivent à Cherbourg, si jamais vous voulez une coiffeuse, n'hésitez pas à me contacter par courriel. Je vais vous mettre en contact avec ma coiffeuse qui coiffe à un prix quand même abordable, très très abordable je dirais, puis qui coiffe super bien. Donc n'hésitez pas à me demander si vous arrivez à Sherbrooke de vous mettre en contact avec ma coiffeuse. Pour ce qui est de la restauration ici, ce qu'il faut savoir c'est que ici c'est obligatoire de donner un pourboire. Si tu ne donnes pas un pourboire, c'est mal vu. C'est vraiment vraiment mal vu parce que la plupart des serveurs sont payés salaire minimum, voire même plus bas que salaire minimum. Donc ils bénéficient des fois avec les pourboires des clients. Fait que c'est vraiment important de donner un pourboire à chaque fois que vous allez au restaurant. Puis je dirais que le coût de la restauration ici à Cherbourg peut aller de 20 à 60 $70. Si tu veux vraiment te faire plaisir, là, c'est quand même énorme. Mais je sais que pour un petit déjeuner, disons un amoureux ou tout seul pour se faire plaisir, on a Alomo Coco, si je me trompe pas, qui vient d'ouvrir à Sherbrooke. C'est vraiment abordable. T'as un petit déjeuner à 15,95. T'as des crêpes. Moi, j'ai l'habitude de prendre la casserole de luxe. C'est vraiment bon. Tu vois, ça arrive à 14,95 plus les taxes, bien sûr. Disons, comme c'est une ville étudiante, les restaurants ont vraiment pris des tarifs plus étudiants pour comme attirer la clientèle. Sinon, on a d'autres restaurations petit déjeuner comme Coco Fruity, Ex-Fruit, si je ne me trompe pas. Vraiment, des fois on se dit, on ne veut pas manger à la maison, on va juste se faire plaisir. Donc, c'est ça. N'oubliez pas que les pourboires ici, c'est super important. Des fois, ça se donne en pourcentage. Moi, j'ai pu donner 15% et plus, dépendamment de comment j'ai été servie. Mais c'est quand même obligatoire de donner un pourboire. Donc, voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Si je ne me trompe pas, je ne penserai pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cela est le cas, n'hésitez pas à me mettre 2 pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on s'est dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Merci à tous. Bonne année 2020. Bye. Hey, banaye, hey, banaye, yeah.